le délégué général de Minalogic, et je suis vraiment ravi que les équipes de Minalogic, avec leurs partenaires, hein, aient pu mettre en œuvre les moyens pour rendre cette journée thématique faisable en digital. Cette journée technologique photonique et santé, nous l'avons organisée en partenariat avec Manutech Slate, avec le Labex Manutech, avec le pôle des technologies médicales de Saint-Étienne, avec nos partenaires Harmonie Mutuelle et Letone. Et je voudrais tout de suite passer la parole à Monsieur Jean-Noël Cornu, qui est conseiller métropolitain délégué auprès du vice-président de l'enseignement supérieur de Saint-Étienne Métropole, et qui est également conseiller municipal de la ville de Saint-Étienne, délégué au numérique et aux relations avec l'enseignement secondaire et supérieur. Voilà, Monsieur Le Cornu, pour introduire les débats. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. D'abord, merci aux organisateurs, Minalogic, Manutech, etc., qui ont bien œuvré pour réussir justement cette journée, que je souhaite d'ailleurs magnifique à tout le monde. Alors, je voudrais d'abord vous souhaiter bien sûr la bienvenue. J'aurais préféré vous la souhaiter. Gaël Perdriau, président de Saint-Étienne Métropole, aurait préféré vous accueillir au palais des congrès notamment et dans notre belle ville de Saint-Étienne, surtout avec ce soleil magnifique. Malheureusement, on sait tous quelles sont les conditions actuelles. Donc, je vous souhaite quand même la bienvenue à la journée Innovation Photonique et au service de la santé 2020. Et je sais que c'est pas toujours très facile de se retrouver derrière un ordinateur et parfois, pour certains, c'est même parfois compliqué, on l'a vu. Alors, tout d'abord, je voudrais vous affirmer. Et on peut dire que la métropole stéphanoise vit, respire la photonique. En effet, Saint-Étienne, métropole, dispose d'un historique et d'acquis solides en matière d'optique et photonique, à la fois sur le plan industriel, avec par exemple une entreprise emblématique hein, comme Engenieux, seule entreprise d'ailleurs à avoir obtenu 3 Oscars et également avoir surtout déposé des dizaines de brevets dans l'optique. Ce qui fait d'ailleurs, qui contribue au fait qu'on appelle toujours Saint-Étienne la ville aux 1000 brevets, mais également sur le plan scientifique et académique, avec d'une part la présence du laboratoire Hubert-Curien de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, Hubert-Curien qui est une unité mixte de recherche CNRS dont l'origine remonte au milieu des années 70, c'est donc pas tout récent, mais aussi avec l'école d'ingénieurs Télécom Saint-Étienne, grande école associée à l'Institut Mines Télécom, sans oublier bien entendu l'antenne stéphanoise de l'Institut d'Optique Graduate School, reconnue comme l'une des meilleures écoles d'ingénieurs au monde dans le domaine. Cette longue tradition d'excellence dans le domaine du numérique et de la photonique a permis à cet écosystème d'obtenir un équipement d'excellence, Manutech USD, puis un laboratoire d'excellence, Manutech Science, et enfin une école universitaire de recherche, Manutech Slate. Face à ce potentiel sans comparaison en France, les opportunités de collaboration fructueuse, que ce soit sur le plan scientifique ou industriel, avec l'écosystème local de santé, sont donc nombreuses. Et à la genèse de nombreuses fertilisations croisées, dont les concrétisations sont souvent spectaculaires, telles les startups actuelles, Keranova ou Kejako, qui révolutionnent la chirurgie ophtalmologique. Saint-Étienne Métropole a donc l'ambition de devenir la référence en ce qui concerne la photonique au service de la santé. Le terme photonique regroupe tous les domaines des sciences et technologies, de la lumière comme l'optique, on en a parlé, l'éclairage, la vision, le laser, la fibre optique, l'optronique, etc. Les applications de la photonique en matière de santé sont donc nombreuses et recouvrent tout à la fois le champ du diagnostic via l'imagerie médicale et la simulation numérique, la prévention des objets de santé connectés, mais également celui du soin, notamment par l'utilisation de lasers directement sur le corps humain ou à des fins d'usinage ou de fonctionnalisation de surface des dispositifs médicaux. Pour favoriser leur développement, Saint-Étienne Métropole s'est dotée d'un véritable hub de recherche-développement dans le domaine.
Inauguré le 26 juin 2015, le campus Santé-Innovation consiste en un regroupement sur le site de l'hôpital Nord de Saint-Étienne, du centre hospitalier universitaire de la faculté de médecine Jacques Lisfranc de Saint-Étienne, du centre ingénierie et santé de l'école des mines de Saint-Étienne, d'un institut régional de médecine et d'ingénierie du sport et de l'institut universitaire de prévention et santé globale Présage. Ce sont ainsi plus de 60 millions d'euros qui ont été investis par les collectivités. Au-delà de l'opportunité de bénéficier de conditions d'études, de recherche et développement optimal, ce site offre surtout une opportunité unique en région de générer et renforcer des liens de collaboration forts entre ses composantes, santé d'une part, ingénierie, exercice physique et prévention. En appui des dispositifs de soutien déployés par Saint-Étienne Métropole, formation de soutien bien entendu de l'enseignement supérieur et de la recherche, les fonds de soutien à la preuve de concept en collaboration avec la BPI, de la société de capital risque, etc. En appui de ces dispositifs, l'accompagnement expert des porteurs de projets par le pôle des technologies médicales et le gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes, en plus des animations et événements pilotés par ces deux structures, assure un continuum dans la chaîne de l'innovation en santé, de l'amont au niveau des laboratoires de la faculté de médecine, du centre ingénierie de santé, de l'école des mines de Saint-Étienne, des unités de soins, etc. Mais à l'aval, création des start-up, donc, transfert de technologies dans des entreprises existantes. En passant par la nécessaire validation clinique, l'adoption d'une approche par les usages et donc la forte implication du CHU de Saint-Étienne Métropole. Ces deux atouts maîtres du territoire stéphanois seront mis en exergue et en lumière à l'occasion de cette journée avec d'une part la maîtrise du procédé de fabrication, de fonctionnalisation et d'imagerie liées aux technologies de la photonique et d'autre part l'exercice et l'excellence d'un écosystème en santé qui croise avec succès ingénierie, santé et prévention. Pris séparément, ils sont déjà fortement générateurs de valeur ajoutée, de richesses économiques, industrielles, scientifiques et académiques. Cette journée innovation photonique et santé doit s'inscrire dans la durée et marque le départ d'un cycle de développement qui verra Saint-Étienne consolider son positionnement. C'est réellement ce que nous souhaitons. Elle est symbolique de la force de notre territoire à proposer une offre de la science au marché en répondant tant aux enjeux économiques de compétitivité et d'emploi qu'aux défis de la transition numérique. Si j'ai suffisamment été clair, vous aurez compris à travers mon intervention que la combinaison photonique santé fait partie de l'ADN de Saint-Étienne et que nous disposons de tous les atouts pour accompagner son développement. Nous sommes d'ores et déjà prêts à accueillir avec le soutien de nos partenaires institutionnels des projets tels que le Centre d'innovation en ophtalmologie du professeur Guin, qui constituera une véritable rupture dans le domaine, ou bien encore l'extension de l'Institut d'optique Graduate School. Notre capacité à travailler collectivement avec agilité, réactivité et célérité nous place donc désormais au cœur du plan de relance et de la reconquête économique des filières industrielles de santé. Je vous remercie de votre attention. Je ne voudrais pas être beaucoup plus long parce que le travail de cette journée est bien, bien complet, bien rempli. Je vous souhaite une excellente journée d'innovation de la photonique et santé et vous donne rendez-vous, je l'espère, pour la prochaine édition, très probablement à Saint-Étienne. Merci beaucoup, bon courage à tous et bon travail derrière l'écran. Merci. Oui, magnifique. Monsieur Cornu, merci pour ces quelques mots sur l'écosystème à Saint-Étienne que j'ai le plaisir de côtoyer depuis un an que je suis à la tête du pôle minalogique et je concours tout à fait pour témoigner du dynamisme de Saint-Étienne, du territoire de Saint-Étienne et au-delà sur ces aspects photoniques. Et j'aimerais justement donner la parole à Florence Garilli, qui est la responsable de l'école universitaire de recherche ManuTech Slate et également la directrice du laboratoire Hubert Curien
à Saint-Étienne. Florence, à toi. Oui, bonjour, merci Jean-Éric, bonjour à tous et à toutes. Nous avons effectivement le plaisir d'introduire cette journée sur la photonique au service de la santé. Et comme Jean-Noël Cornu l'a dit, alors je suis en train d'essayer de me battre avec le. Comme Jean-Noël Cornu l'a dit, la photonique est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Effectivement, je suis la directrice du laboratoire Hubert Curien, unité mixte de recherche de l'université et du CNRS et de l'Institut d'Optique Graduate School, qui œuvre depuis maintenant plus de 20 ans sur la photonique. Je ne sais pas comment je passe la présentation, en fait. On voulait faire une brève introduction à deux voix. Alors, je crois qu'on a un petit problème de connexion. Donc, Yves Jourlin, qui est le directeur du LabEx Manu TechSize, ne pourra pas parler à mes côtés. Cette introduction se voulait extrêmement brève et commencer simplement par vous donner une vue un petit peu aérienne de l'écosystème. Il est forcément difficile de suivre ces journées à distance. Nous avons un site remarquable à Saint-Étienne et j'avais essayé de prendre un petit peu de hauteur. Je crois que vous ne verrez pas la présentation. Ah, voilà, c'est ça. Super. Donc, vous avez une vue aérienne du campus Manufacture à Saint-Étienne. Où se côtoient, comme l'a dit Jean-Noël Cornu, à la fois l'université, mais également des partenaires privés et Saint-Étienne Métropole avec un fort soutien. Donc, sur cette vue aérienne, vous pouvez voir le campus donc de l'université avec sur la gauche le laboratoire Hubert Curien, laboratoire de recherche. Des composantes pédagogiques avec la faculté des sciences et techniques, Télécom Saint-Étienne, l'école d'ingénieurs internes à l'université, qui travaille aussi sur des solutions photoniques et plus généralement sur toute solution d'innovation. Et puis, vous retrouvez au centre du campus l'antenne stéphanoise de l'Institut d'Optique Graduate School, qui, comme cela a été dit, est une école internationalement reconnue dans le domaine de la photonique. Et sur ce campus se côtoie Minalogic, qui nous accueille aujourd'hui, le pôle de compétitivité également CIMES, et puis le fruit du travail de ces dernières années avec l'équipement d'excellence qui a été déjà évoqué, Manutech USD, qui est opéré sous la forme d'un groupement d'intérêts économiques avec un partenariat public-privé, donc comme cela a déjà été dit, qui est un petit peu l'ADN et notre fil conducteur sur les sujets de développement que nous travaillons. Voilà, et on retrouve sur ce campus, en dehors de la photo, l'entreprise Keranova, qui aura évidemment aujourd'hui toute sa place pour présenter des solutions d'innovation issues de la photonique. Et pour terminer cette brève introduction, si on peut passer à la planche suivante, simplement pour resituer un petit peu la success story Manutech qui a déjà été évoquée. Alors je vais essayer d'être très courte et peut-être de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ce qui a été dit, puisque il y a effectivement un laboratoire d'excellence, LabEx, Manutech Size. Surface and Interface Science Engineering, qui a été obtenu en 2011 avec un renouvellement en 2020. En 2011, toujours un équipement d'excellence, Equipex, avec le GIE Manutech USD pour Ultrafast Surface Design. Adossé à ces LabEx et Equipex sont mis en place également sur le campus, dans le domaine de la photonique en particulier, des formations d'excellence avec des masters européens. Et je voudrais ici signaler le dynamisme du campus, avec pas moins de 4 masters Erasmus Mundus qui viennent d'être obtenus sur ces dernières années, ce qui fait de Saint-Étienne un site tout à fait remarquable sur ce domaine. Et finalement, la concrétisation de tout ça, c'est l'obtention en 2018 d'une école universitaire de recherche, une graduate school, Manutech Slate, Surfaces Light Engineering, Health and Society. Et vous voyez apparaître
au fur et à mesure donc de se dérouler, que les technologies photoniques, naturellement, y compris au travers de l'intitulé des programmes investissements d'avenir que nous avons obtenus, que la photonique est effectivement un vecteur d'innovation important pour le médical. Bien entendu, c'est l'ensemble de ces objets d'excellence ne se développe pas par une seule entité ou une seule personne, et c'est la raison pour laquelle il est important de mentionner le travail collectif d'un certain nombre d'acteurs, en particulier de laboratoires de recherche, pour développer ces sujets. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long pour vous laisser pour laisser la place à au travail de la journée. Voilà, je ne sais pas si Yves Jourlin, qui nous a rejoint, souhaite intervenir. Voilà. Eric. Yves nous a rejoint. Donc, Yves Jourlin, directeur du Labex Manutech Size, vous avez la parole. Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Okay. Très bien, très bien. Ah, excusez-moi. Bon, je pense que Florence a déjà bien présenté l'environnement, hein, et tout ce qu'il y a autour de cette intitulée Manutech avec l'EUR, le Labex. Donc, effectivement, en quelques mots, le Labex, comme ça a été dit, hein, c'est aussi une longue histoire qui a commencé entre des mécaniciens, tribologues et des opticiens. Et qu'est-ce qui les a rassemblés, hein, c'est la surface. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est complété avec le lancement du Labex en 2011 et jusqu'en 2019, hein, dirigé par Christophe Denner avec pas moins de 30 projets. Ensuite, le Labex a été renouvelé jusqu'en 2024. Et voilà, donc tout s'est construit autour de ces consortiums qui s'est élargi avec l'EUR, avec le GIE. Donc, comme Florence l'a dit, là, aujourd'hui, on a vraiment rassemblé entre Lyon et Saint-Étienne beaucoup d'acteurs donc autour de l'optique, la photonique et la surface. Hein, voilà, donc avec des informaticiens, des gens de la santé, des mécaniciens, des chimistes, des photochimistes. Voilà, donc là, c'est vraiment, je pense, assez unique au niveau national de rassembler autant d'acteurs autour de cette thématique. Voilà, je pense que ça complète un petit peu peut-être ce que Florence a dit. En tout cas, je tiens vous à remercier, hein, l'équipe Minalogique pour cette journée, hein, voilà, j'aurai le plaisir d'animer la session de cet après-midi. Voilà, donc moi je serai cet après-midi l'animateur de la session. Voilà, en tout cas merci pour cette opportunité, hein, et de cette journée. Voilà, j'espère qu'elle sera riche en échanges. Merci beaucoup. Merci Florence, merci Yves. Vous êtes vraiment les témoins de cette excellence académique et universitaire au sein de Saint-Étienne. C'est vraiment vous les acteurs, et je dirais que Minalogique n'est que là pour vous essayer de vous faire briller, de faire et d'accompagner les acteurs du transfert de technologie, cette fois-ci dans le domaine de la santé, et nous verrons un certain nombre d'applications et de transferts qui ont été faits à partir de vos travaux.